Bonjour cher Scorpion, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour la période du 4 août au 4 septembre prochain. Alors le jeu se présente comme d'habitude avec la première carte en haut, la carte d'ambiance. Ensuite, on a deux jeux différents pour exprimer donc une situation avec trois points. Donc le premier point ici, c'est le présent. Ici, l'obstacle ou une chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, avec un autre jeu, on a l'orientation pratique qu'il faudrait prendre. Le deuxième point, c'est une orientation, une guidance émotionnelle. Et le troisième point, enfin, c'est donc l'évolution de la situation. En tout cas, ça peut être également, donc, par rapport à ce qui est développé, la synthèse du jeu. Alors, on revient sur la carte d'ambiance qui est très positive, comme vous pouvez le voir, c'est la carte du magicien qui... Alors, j'essaie de faire pour éviter des reflets, mais c'est pas évident, hein, je suis désolée. Voilà. Donc, cette carte du magicien qui vous amène l'information qu'il y a... Alors, il se pourrait qu'il y ait donc une rencontre importante. Alors, je souhaite pour vous que ce soit donc une rencontre qui devienne une rencontre amoureuse. Alors, j'ai parlé de vidéo donc pour les personnes célibataires. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Je rappelle que c'est donc parce que vous avez quelqu'un dans vos pensées de manière importante, imposante, parce que vous êtes séparés, parce que vous êtes divorcés. Ou alors, ça peut être avec un lien avec une personne particulière de votre famille ou de votre cercle amical. Voilà, je referme la parenthèse et je reviens sur l'énergie donc du magicien qui parle d'une rencontre qui peut être donc importante, en tout cas qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie de manière générale, qui laisse pas indifférent de toute façon. Et qui apporte le fait que il y a quelque chose de nouveau qui est en préparation, qui démarre. Donc, avec le premier point, le point présent, on a la carte de la persévérante. Et cette carte nous parle d'une grande motivation, d'assurance, de pouvoir de conviction. C'est ce que vous développez actuellement par rapport à une personne, donc en particulier. Et donc, vous êtes sûr de vous, en fait. Vous avez, je pense, une capacité d'engagement, d'implication et conscience que vous ne laissez pas cette personne indifférente. Sur le deuxième point, on a donc sur le point de la chose à développer, je pense, ici, pour moi, la carte des frères, qui est une carte très positive, qui parle d'engagement. Alors, vous voyez qu'il y a un duo d'entente. Donc, quel que soit ce duo, hein, on vient de l'évoquer donc dans ce que j'ai mis entre parenthèses. En tout cas, il y a de la détermination et pour moi, une disposition à rebondir suivant les circonstances, les choses qui se présentent à vous. Vous êtes prêts l'un et l'autre, je pense, à mettre l'énergie qu'il faut pour pouvoir développer une relation de qualité, un rapprochement de qualité. En tout cas, vous ne restez pas indifférent, peut-être aux propositions de cette personne, à ses suggestions, et je pense que elle aussi. Sans qu'il y ait pour l'instant de relation telle que on peut l'imaginer. Mais pour l'instant, il y a juste l'aspect de la séduction qui est importante. Voilà. Où on parle également justement de possibilités de séduction, d'attirance, d'attraction, notamment avec la carte du magicien. Déjà, on est dans cette ambiance. Ensuite, sur le point présent,
dont j'ai parlé, il y a une assurance, une conviction, une détermination et une faculté même à convaincre les autres par son attitude et par son langage. Le troisième point, avec les frères, on vient d'en parler. Et sur le troisième point ici, de l'évolution de la situation, c'est la carte de l'originelle qui est renversée. Et elle parle, alors là, justement, en parlant de confiance, ça peut être que vous êtes dans un excès de confiance, un excès d'assurance en vous, dans ce que vous présentez, vous proposez, dans les suggestions que vous amenez à cette personne, dans votre façon de vous présenter. Dans votre attitude, donc. Et ça peut créer cette assurance-là, un trop grand détachement de la réalité. Alors, il faut faire attention, c'est ce qu'indique donc cette carte aussi, parce qu'il y a en même temps beaucoup d'ambition. Alors, qui peut vous amener jusqu'à quelque chose on va dire un succès dans la situation dans laquelle vous êtes par rapport à ce point de séduction, ce niveau de séduction. Mais voilà, on vous dit attention, trop d'assurance peut vous amener à être justement détaché de la réalité. Alors faites attention. Et avec la carte qu'il y a en dessous, on vous dit justement de tenir compte du temps, de la lenteur. Et je pense que c'est le fait de devoir, par préférence, prendre le temps des choses, prendre le temps de développer la relation pour qu'elle se pose bien, pour qu'elle soit bien équilibrée, stable. Et qu'elle aille de préférence vers quelque chose qui dure, qui aille sur du long terme. Donc pas de précipitation comme on pouvait le dire aussi également avec cette carte-là. Donc je passe sur l'autre jeu avec le point de l'orientation pratique à prendre et la carte du goupil, qui indique donc une capacité à rebondir sur des opportunités en faisant en créant des opportunités ou à rebondir sur des opportunités qui vous sont données par la vie ou proposées par l'autre personne. On voit qu'il y a une grande volonté à faire aboutir les choses de manière positive, de part et d'autre. J'en viens justement en disant de part et d'autre à la carte qui est posée sur la guidance émotionnelle, et c'est la carte fidélité. Et cette carte, donc, elle va nous donner l'information qu'il y a une possibilité d'échange. Et en étant à égalité, en étant sur la même longueur d'onde, en étant à l'écoute de l'autre, en ayant justement une oreille, on va dire une oreille amie, une oreille qui est disposée à écouter, à partager. Et ça donne aussi l'information que donc les liens se resserrent. Voilà, très cher Scorpion, je regarde et j'écoute s'il y a d'autres informations à vous donner. Ah, l'idée du temps qui passe est très, très, très important. Je reviens là-dessus. Et donc, ça parle aussi de patience. Peut-être un temps d'attente. Il peut y avoir un temps d'attente, mais en tout cas, ça parle de patience et de laisser, on va dire, le temps au temps de ce que les choses se mettent en place
pour quelque chose de durable, pour quelque chose de vraiment concret et stable. Voilà, cher Scorpion, c'est terminé. Donc, je vous souhaite une très, très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.